Lundi matin à Manhattan. La vie de la cité reprenait là où elle s'était figée le vendredi. Moi, j'avais bien du mal à me replonger dans un passé aussi lointain. Une nouvelle journée sur cette terre promise où la fortune m'attendait au coin d'une rue. Mais ce qu'on avait oublié de me préciser, c'était au coin de quelle rue. Heureusement qu'on était en Amérique, le pays où tout est toujours possible. Un sandwich au salami? S'il y a autre chose, n'hésitez pas, Monsieur Hammer. On verra plus tard. Velda, tu veux un sandwich? Est-ce que tu crois que ce serait raisonnable? Ah, tu as raison. Désolé, la demoiselle n'est pas intéressée. Oh, de toute façon, j'ai toujours eu plus de succès avec les hommes. Bye. Au revoir. Sacrée louloute. Oui. Mais reconnais au moins qu'elle a un certain sens du commerce. Je croyais que tu ne devais plus fumer. C'est des raconteurs, tout ça. Regardez-moi donc qui est là. Salut, Mike. Malcolm, quel honneur. Content de vous voir. Velda, voici Malcolm Dobbs, illustrissime idole des dingues de country and western. Oh, quelle jolie petite mimine, vous permettez? Tenez, voici mon dernier album, c'est pour vous. Venez voir. Excusez-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai réussi à me réserver une place à la plus grosse table de poker de New York. Ah oui? Ça a lieu au Sprague Building. 50 000 $ de mise minimum et je pars favori. J'ai besoin de soutien. Vous voulez dire protection? Mm-hmm. Malcolm, voyons. Qu'est-ce qu'il y a sur la porte? Détective privé ou exécuteur de basse? $500 rien que pour être mon babysitter. Et en plus, vous verrez une belle partie. Mais plus que 3 heures, Malcolm. Allez vite déjeuner. Je crois que la porte vient de se refermer sur la première mensualité de mon ordinateur. Velda, les ordinateurs, ça me fout les boules. Mike, ça permettrait de mettre de l'ordre dans ce bureau. Et aussi dans ta vie. Ne me raisonne plus pour ne pas s'emmerder avec ça. Tiens, va t'acheter un autobus avec ça. Angela, t'as fait tout ce que t'as pu. Pat. Non, tout à l'heure. Allez, va. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Malcolm Dobbs. Votre nom est bien là. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir. Ici le capitaine Chambers. Qui est l'officier de service? Tom Phillips. Dites-lui que la vente de drogue a lieu dans l'appartement terrasse du Sprague Building. Martin Sprague, Malcolm, heureux que vous soyez venu. Bonsoir. Au moins chez vous, on ne se sent pas à l'étroit. Un troupeau de vaches tiendrait dans le séjour. Et pour la sécurité, alors là, pardon, chapeau. Bedrick Bordante et Talas et Smith. Vous êtes monsieur? Smith. Ah, et Smith. Puis-je vous offrir un verre? Mon Dieu, un petit gin Ricky, si vous savez le faire. Moi, je sais. Et Warwick, Malcolm Dobbs. Un gin Ricky. Vous êtes gentil, merci bien. Dites donc, il y a un sacré choix, il vous manque pas grand-chose. J'ai tout ce que vous pouviez désirer. Et en gros, tout le reste, c'est de la coke. Pure à 90%. Elle est remarquable. Je ne vous le fais pas dire. Cette fois-ci, ils ont vraiment fait très très fort. C'est d'accord, j'achète. Ok. En attendant, je vais toujours m'en refiler une petite pincée. Monsieur ne plaisante pas. Ça va comme ça? Oui, c'est parfait. Et ça, ça va? C'est encore mieux, ça. Vous m'en direz des nouvelles. Il en faut peu et ça décoiffe salement. Si votre petit commerce est terminé, Monsieur Smith, nous sommes ici pour jouer aux cartes. Mise de base, pour tout le monde, $20 000 minimum. Quand vous avez moins de $5 000 devant vous, n'hésitez pas à racheter des plaques. Tirez pour la donne. Non.
J'ai déjà téléphoné il y a une heure. Où est-il? Vous m'avez dit que Philippe est en route, mais j'attends toujours. $20,000 de plus. C'est très courageux, mon cher. Mais je me sens très très sûr de moi. 20 000, moi aussi. Je dois dire que je me sens assez sûr de moi. Vos 20 000 et 20 000 de plus, je couvre. Moi, je me sentirais plutôt déprimé. Moi, je me sens soulagé. J'ai bien cru que j'allais pas réussir à me tirer de ce merdier. Les as. Foule au roi par les dames. Yahoo! Bien, bravo, mon cher. Bonsoir. Ne faites aucun geste brusque. Mettez les mains sur la table et restez immobile. Si vous respectez nos instructions, votre vie n'est pas en danger. Je répète. Si vous respectez les instructions, votre vie n'est pas en danger. Gardez les mains sur la table. Ne faites aucun geste. Non, pas ça. Elle a de la valeur pour moi. C'est un souvenir, un porte-bonheur. Rendez-moi ma bague. Mais t'avais dit qu'il n'y aurait pas de sang! Nous n'abattrons pas les gardes au rez-de-chaussée si vous restez exactement comme vous êtes pendant 30 minutes. Je répète, nous n'abattrons pas les gardes au rez-de-chaussée. Dis donc, en pleine ville, oh ça alors! Passe un geste. C'est le capitaine Chambers? Oui. Qui êtes-vous? Tom Phillips, brigade des stupéfiants. Chambers m'a demandé de venir. Et vous, qui êtes-vous? L'adjoint du juge d'instruction. Vous êtes en retard. Il est grièvement blessé, je l'accompagne. Restez dans le secteur, on a des tas de questions à poser. Vous n'êtes pas les seuls. Linda, écoute, calme-toi. Où es-tu? J'arrive, Linda. Oh non, pas lui. Oh, merci d'être venu, Mike. Linda, comment vas-tu? Je ne sais encore rien. Comment va-t-il, docteur? La balle est allée se loger dangereusement près de la moelle épinière. Nous opérons. On lui a tiré dans le dos? Oui. S'il n'y a pas de complications, il sera debout dans 2 ou 3 jours. Mais si on touche la moelle épinière, il peut en rester paralysé. Paralysé? Mike? Mon Dieu, non! Ça va, Mike? Bah, tu te sens comment? Les salauds, ils m'ont eu par derrière. Comme un débutant. Mike. Ne dis rien, ne fatigue pas, Pat. Trafic de drogue, au cours d'une partie de poker. Trafic de drogue, Spike Building. Oh.
Je fais un détour par le Sprague Building. Ça grouillait de flics et d'agents fédéraux et tout le monde se gênait. Alors je ne suis pas resté. Quand un citoyen important comme Sprague se fait buter, la ville ne dort plus avant de connaître les coupables. Il était temps que j'aille voir un certain chanteur de country and western. J'avais des choses importantes à lui dire. Alors, et cette partie de poker? Oh, Mac. Eh bien, finalement, j'y suis pas allé. J'avais un autre plan. Ah, vous n'y êtes pas allé? Non. Vous savez que c'est pas beau de mentir, Malcolm! N'en faites pas ça, j'ai le vertige, j'ai la tête qui tourne. Alors, bonhomme, tu vois, t'es pas tombé sur le bon interlocuteur. J'en ai rien à cirer, moi, de quel vertige. Regarde, tu vois? Ou bien tu parles avant qu'il arrive en bas ou tu suis le même chemin. Combien est-ce que tu as perdu? Un peu plus de 50 000. Et Smith, t'as assez. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ils l'ont descendu parce qu'il voulait garder sa bague en diamant. Et ce type qui a apporté la coke, Bordant. Je sais rien de lui. Il paraît qu'il est antiquaire. Je sais rien d'autre sur ce mec. J'espère pour toi que tu ne mens pas cette fois. Parce que sinon, je reviendrai te balancer par cette fenêtre. Tiens. Tu te rachèteras un autre chapeau. Est-ce que c'est moi que tu cherches, Beaubrun? Eh ben, je vais... non. Ah, c'est dommage, on aurait fait un trio très intéressant. Ah, c'est vrai? Eh ben, j'en prends note. Hein? Avec Pat, les chirurgiens ne volaient pas leurs honoraires. 6 heures sur le billard. Ils avaient enfin extrait la balle. Encore 3 heures et on serait fixé. En attendant, l'heure des remboursements avait sonné et pour payer, je n'avais que mon 45. Mike. Angela, quelle surprise. J'ai entendu la radio. J'ai voulu venir voir Pat, mais on me l'a interdit. Oui, je suis au courant. Il a passé une sale nuit. Mike, je me sens coupable. Il ne faut pas, Angela. N'ayez pas peur pour lui, il est fort comme un taureau, il se rétablira très vite, il faut simplement lui en laisser le temps. Docteur Spencer, vous êtes attendu en réanimation. Tiens, mais c'est mon petit copain Barrington, l'adjoint du juge d'instruction. En voilà un qui me fout les glandes chaque fois que je le vois. Cher Barrington, quel bon vent. Ce qui se passe ne vous regarde en aucune manière. Oh, on fait son petit cachotier. N'en faites pas trop, Hammer. Tom Phillips, brigade des stupéfiants. Mike Hammer, qu'est-ce que les stupes ont à faire là-dedans? Un citoyen important a été abattu. Pat Chambers n'a pas respecté les procédures de service. Je veux lui poser quelques questions. Mais quelles procédures? Quelles questions? Adressez-vous à notre service de presse, vous verrez ce qu'ils vous répondront. Pourquoi est-ce que tu as appelé la brigade des stupes? Parce que tu te rappelles l'employé de la banque de Lancy, celle qui avait accepté de témoigner. Angela Sorrento, oui, oui, je viens de la voir dans le couloir. Eh bien, j'étais en train de lui rendre un petit service. Un petit service? Oui, c'est-à-dire son mec travaille sur le port, il est docker, et les fédéraux lui sont tombés sur le poil. Ils l'ont fait condamner avec 4 ou 5 autres. Il déchargeait une livraison de cocaïne. En prison, le mec Frank Dolce. Il entend circuler une vague rumeur. Apparemment, les fédéraux n'ont pas saisi toute la coke. Il en resterait de planquer sur le bateau. Une bonne partie de cette coke devait être vendue au cours d'une partie de poker en ville. Alors, Dolce, le docker, t'a envoyé sa nana pour te demander de faire un marché avec les stupes. Oui, c'est ça. Ah. Je ne vois pas ce que t'as à te reprocher. Oh, rien, sinon que les stupes n'ont rien pu saisir. Barrington a un bouc émissaire et Pat risque sa carrière. Depuis le hold-up de la banque, Angela Sorrento avait changé d'emploi. Elle était guide à la Statue de la Liberté. Et comme beaucoup de New-Yorkais, je n'étais jamais allé la visiter. Pour aider son docker qui s'était fait mettre en prison, Angela avait donné un tuyau à Pat Chambers, une très grosse partie de poker. Si Pat était encore vivant, la partie, elle, avait été fatale à Martin Sprague. Angela était une fille sympa.
Elle avait fait des conneries, elle avait eu des petits ennuis. Mais Pat et moi, on avait toujours essayé de la tirer d'affaire. Maintenant, c'était elle qui pouvait aider Pat. Elle pouvait nous renvoyer l'ascenseur, comme on dit. Je savais que l'instruction ne pourrait pas pousser l'affaire très loin. Il n'y aurait pas de gros titres dans les journaux, pas d'expertise, pas de piste. Chacun serait libre d'oublier, libre de s'en foutre. C'est peut-être bien ça, au fond, le statut de la liberté. Pour aller faire un peu causette avec Frank Dolce dans sa geôle, j'avais besoin d'une autorisation qu'on n'était pas pressé de m'accorder. Je venais de me faire rebalancer dans le néant inconclusif et glacé de la célèbre case départ. La case 2, c'était le Spike Building. Poker? Et cocaïne? Ouais. Il y avait bien poker et cocaïne. Pat avait raison. Si seulement j'étais arrivé 10 minutes plus tôt. Barrington a des témoins? Je ne m'occupe que du côté drogue, mais je ne crois pas. Et vous? Non. Son unique alibi vient de mourir. Mais j'ai pas encore pu parler à son petit ami. Vous perdez votre temps avec lui, de toute façon. Je lui ai parlé, moi. C'est un loubard. Il avait même pas de casier. Il est trop bas dans l'organisation pour nous aider en quoi que ce soit. Et dites au capitaine Chambers que Frank Dolce nie s'être servi d'Angela Sorrento comme intermédiaire. Il nie aussi avoir été au courant du braquage de l'autre soir. Mais vous le croyez naturellement. J'envisage la possibilité que si les stupéfiants ont été prévenus trop tard, Chambers l'a fait exprès. Ah, oh, c'est stupide, Barrington. On vous a jamais dit de réfléchir avant de parler. C'est tout réfléchi. Mes services ont trouvé ceci dans une voiture garée dans le parking. Il se trouve justement que c'était la voiture de l'inspecteur. D'accord, Barrington. Tout le monde sait que vous ne vous trompez jamais. Mais réfléchissez un peu, une fois n'est pas coutume, et vous vous apercevrez qu'il y a une autre explication. Seul Barrington et quelques types de son acabit pouvaient me donner à ce point la mesure de la très profonde connerie humaine. Je ne cherchais rien de particulier en allant sur ce toit, sinon un peu d'air frais. Salut, ça roule? J'ai parlé à la police. J'avais rien à dire, foutez le camp. Je suis pas flic, moi. Oh, ça, je l'avais bien vu. Cigarette? Un de ces jours, j'arrêterai, mais pas aujourd'hui. Et dites, on n'a jamais gardé les vaches ensemble, alors foutez-moi la paix. Hein? Allez, dégagez. Je m'appelle Mike Hammer. Leroy Applebaum, troisième du nom. Vous voyez, ce que j'arrive pas à comprendre, moi, c'est comment ils sont repartis. Enfin, il y a pourtant des alarmes à chaque étage, des caméras de surveillance à infrarouge. Des ascenseurs de sécurité. Non, c'est trop petit pour qu'on puisse poser un hélico. C'est les flics qui ont dit ça? Ils sont cons, hein, ouais. Mais vous, vous savez? Vous voyez ces rails, là? Pour votre plateforme? Ouais. Un gazier, avec d'autres trucs comme ça, hein, qui sauraient s'en servir. Et mais il n'a qu'à les engager là-dedans, et il peut grimper le long du building comme une araignée. Alors c'est comme ça qu'ils ont fait, hein? Ah, j'ai pas dit que je savais. Et ce matin, j'ai trouvé ça devant la porte. Je sais pas comment ça a pu arriver là. Et vous? Parfois, il vaut mieux être vénard que futé. Leroy Applebaum, troisième du nom, venait de me donner une piste. Mais ce modèle précis avait été fabriqué à 10 000 exemplaires. Il fallait donc se lancer dans des recherches longues et fastidieuses. Heureusement pour moi, Velda était la reine pour ça. Pour ça aussi. Mike Hammer, détective.
Velda, salut. Bonjour, Mike. J'ai des nouvelles. J'ai réussi à trouver tout de suite le magasin qui a vendu le bidule. C'est dans la 5e avenue. Ils ont acheté 2000 poulies sur les 10 000 qui ont été fabriquées. C'est eux qui ont vendu la tienne. Bravo, vous avez gagné un porte-clés. Ah, désolé, mon chou. Aujourd'hui, c'est régime. Il arrive qu'on éprouve un sentiment de joie muette et béate quand on trouve une place pour garer sa bagnole à New York. Pat allait donc sortir de l'hosto, à moi de faire en sorte qu'il n'aille pas en tôle. Ah, cette vieille contredanse, elle ne me servirait plus. De jardin, nous vous proposons un grand choix unique d'articles d'agrément. Profitez-en, il y a 20% de solde sur tout le rayon. N'ayez pas peur, je contrôle. Puis-je vous aider? Ah oui, vous avez l'air d'être une experte. Ah, si j'en avais que l'air. Ah, voilà, je m'appelle Mike Hammer, je suis détective privé. Ceci a été acheté chez vous, je crois, et j'aimerais bien connaître le nom du client. Ça, vous savez, c'est assez délicat, à moins que vous n'ayez une bonne raison pour me faire fouiller dans tous les reçus. Ben, j'en ai deux. L'un de mes amis a reçu une balle dans le dos et ce matin, une jeune fille de votre âge s'est retrouvée à la morgue. Oh, dans ce cas, pas d'hésitation, je vais vérifier. Voilà, merci. Sandy, c'est ça? Oui. C'est très joli. C'est ça qui vous met dans cet état? Ça doit être ça. Le suivant sur ma liste, c'était Bedrick Bordante, l'acheteur de drogue et le revendeur d'objets d'art. Il crêchait dans les quartiers chics, là où même les éboueurs portent des jeans de grands couturiers. Peut-être que l'étoile exposée était très bonne. Je ne peux pas dire, je n'y connais rien. En tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'il n'y avait rien de mieux pour cacher les impacts de balles dans le mur du salon. Cherchez-vous une œuvre d'un artiste américain ou une œuvre importée? Mes connaissances en art importé s'arrêtent à la bière allemande. Je suis Eve Warwick. Mais vous n'êtes pas que ça. Mike Hammer, compliment, quelle classe. Remarquez, il en faut quand on s'est mis en cheville avec un marlou qui vous lâche au premier pépin. Vous avez vraiment une idée très personnelle des relations publiques. Et ça vous gêne pas le moins du monde d'être complice d'un type comme ça? Aussi. Mais je me fais payer. Voyez-vous ça? Très cher. Oh. Bon, écoutez, je voudrais vous poser deux ou trois questions qui peuvent sauver la vie à l'un de mes bons amis. Je n'ai rien à répondre. Les gangsters semblaient connaître les lieux comme s'ils y avaient habité toute leur vie. Ou comme si on les leur avait décrits précisément. Quelqu'un comme vous. Ah oui. Si vous le prenez comme ça, inutile de compter sur ma coopération. Chérie, je ne compte jamais sur personne. Comme ça, je ne suis jamais déçu. Dommage. On commençait juste à sympathiser. Hammer? Savez-vous où est Tallahassee? Pourquoi? Bordante s'est fait piquer 40 000 dollars qui m'appartenaient. J'aimerais y aller avec vous. Désolé. Les passagers, ça fait tomber la moyenne et en plus, ça augmente la consommation. Je comprends. D'un autre côté, j'ai son adresse. Vous, non? Ah!
Vous n'avez rien? Non. C'était des amis à vous? Ou bien vous déclenchez la violence partout où vous passez? Pourquoi pensez-vous que ces hommes tiraient sur moi? Ah, une idée comme ça. Chose pour vous. C'est très gentil à vous, mais j'ai déjà un guide. Oh, c'est dommage. J'ai un grand faible pour les hommes comme vous. Remarquez, je comprends ça. Vous n'avez pas parfois l'impression d'abuser un peu de votre image? C'est de la déformation professionnelle. Oh, mais oui, bien sûr, voyons. Nitro Stark, 115 kilos de barbac et d'os broyé. Et tout là-haut, un petit poids qui gigote de temps en temps. Qu'est-ce que tu viens encore nous faire chier ici, Hammer? Eve, je vous présente Nitro Stark, la preuve vivante que l'humanité ne peut pas nier ses origines. T'as tort de me gonfler les chaussettes, Hammer. Casse-toi ou je te fais ta fête. N'était pas nécessaire d'esquinter le spécimen? Oui, pardon, je me suis un peu laissé emporter. T'as là assez? Je m'appelle Mike Hammer, j'ai 2-3 questions à vous poser. Pourquoi pas, vous avez gagné le premier round. Bonjour, ma chère. Bonjour. Vous êtes très en forme, Talassé. C'est spectaculaire. Vous savez ce qu'a dit le philosophe? Où c'est que tu vas habiter si tu soignes pas ton corps? Alors, comme ça, c'est un copain à vous, le flic, la Chambers? Exact. Non, c'est trop con. À moi, il m'a fait mauvaise impression. Et ça vous aime pas d'avoir perdu toute cette coke et tout ce fake? Non, j'ai pas dit ça, non. Un des pincus m'a fauché une bague à laquelle, franchement, je tenais énormément. Un porte-bonheur, en plus. Déjeunez ici avec moi, si vous voulez. On a des yaourts d'importation, du jus de carotte, et des glaces, si vous voulez. Vous en avez au fruit de la passion? Non. Si vous me donniez un peu plus de détails sur ce braquage, votre bague, je pourrais peut-être vous la retrouver. Il était balèze, le connard. Il avait une poigne de fer. Quelles armes ils avaient? 2 automatiques. Et le tuyau sur le deal, ils l'ont eu comment? Il y a forcément eu une fuite. Bordante sort d'ici, on en a parlé. Il veut qu'on engage ensemble un privé en qui on aura confiance. Mais si vous étiez moins lié à Chambers, votre candidature aurait retenu notre attention. Vous avez confiance en Bordante? Non. D'ailleurs, lui non plus, hein? Et puis, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Oh, rien. Hé, Hammer, ça vous embête pas que je vous fasse suivre? Beaucoup. Au revoir, Hammer. Merci, au revoir. Du nouveau sur Bordante? En tout cas, lui, il ne fumait pas. Je réduis progressivement. Bon, quoi d'autre? Il n'a pas de permis de conduire, pas de carte de crédit, ni de carte de sécu. Mais d'après le bureau du percepteur, il a vendu 5 millions de dollars d'œuvres d'art à New York l'année dernière. C'est pas mal, hein, pour un fantôme. Ouais, ça coïncide avec ce qu'Eve Warwick m'a dit. Oh, quelle chance! J'ai passé la journée là-dessus. Elle avait d'autres choses à t'apprendre. Eh bien, d'après elle, il n'est pas américain, il est basque, il vit aux Antilles. C'est là-bas qu'il a rencontré Tallahassee. Nous savons désormais tout ce qu'Eve a dit. Et toi, Mike Hammer, tu dis quoi? Mike Hammer dit que ses lunettes appartenaient à Bordante. Regarde-les bien. Ce sont des montures de luxe, des trucs de designer. Alors, j'aimerais que tu t'en occupes. Ok. Je vais te faire réparer ton distributeur. Ah non, surtout pas. Les mecs, aujourd'hui, ils savent te réparer un flipper ou une vidéo, mais ils me bousilleraient ma machine. Quoi d'autre? Ton contact au greffe du tribunal a téléphoné. Le juge d'instruction vient de délivrer un mandat d'arrêt contre Pat. Un mandat contre Pat? Et tu me disais rien? À tout à l'heure. Et c'est malheureusement tout ce que je suis en mesure de vous dire.
Naturellement, dès que j'aurai quoi que ce soit, messieurs, comptez sur moi. Je vous le communiquerai dès que possible. Merci. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Le juge a chargé mon service de procéder aux examens de laboratoire et de quoi parlez-vous? De la coque qu'on a trouvée chez la Sorrento dans son appartement. Bon, allez jouer ailleurs, vous autres, hein. Allez. Une livre à 82% pure, chimiquement absolument identique à celle trouvée dans la voiture de Chambers et aux traces relevées sur les lieux de la partie de poker. J'aimerais savoir comment la Sorrento a fait pour s'en procurer. Enfin, on sera venu la planquer chez elle. C'est peut-être à cause de lui que Sprague a été tué. Pour l'instant, il est accusé de possession illégale de drogue, mais je suis sûr qu'on pourra ajouter meurtre et obstruction à la justice avec un peu de chance. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'humilier devant toute sa famille, devant toute la presse? Ça ne me réjouit pas, mais je n'ai pas le choix et surtout ne vous mêlez pas de ça. Je sais pourquoi personne ne vous aime, parce que vous n'avez pas de cœur. Pat, concentre-toi. Assieds-toi. Il faut que je sache tout. À part tout ce qu'Angela t'a dit, est-ce que tu connais d'autres pistes? Non, c'est tout, Mike. Je t'ai tout raconté. Surtout, va pas faire des cartons dans la rue. J'ai assez d'emmerdes. N'en rajoute pas. Merci, Mike. Baby, écoute-moi. Ne crois surtout pas ce que tu vas voir ou entendre là-dedans. Tout est faux. Ton père est un type formidable. OK? OK. Allez, bonne chance. Inspecteur Chambers, je regrette, mais je dois vous remettre ceci. Les rouages du système s'apprêtaient à broyer mon meilleur ami. Mais faites-moi confiance, j'allais pas les laisser faire. J'appelais mon bureau. Velda était aux prises avec Sandy, une jeune fanat d'alpinisme qui voulait devenir notre associé à tout prix. Si Sandy était capable de nous dire qui avait acheté la roulette maudite, ça m'éclairerait peut-être sur l'identité du connard qui me filait le train. Il allait pas m'emmerder longtemps, celui-là. Non, mais sans blague. Alors, du nouveau? Mike! C'est moi qui ai servi le client. Il s'appelle Dave Haggett. Il m'a commandé 4 poulies, plus des cordes et des sacs de montagne. Il était seul? Non, il est venu passer la commande, mais c'est un autre type qui est venu la prendre. Et où est-ce qu'il crèche, Dave Haggett? À Hackensack. Il est moniteur de secourisme et d'alpinisme. Bien. Velda, appelle et voir, oui. Dis-lui qu'on passe la prendre dans 20 minutes. Il faut absolument identifier cette voie. Entendu. En route pour votre première enquête. Avec vous? Ben, je vois personne d'autre. Elle s'appelle Eve Warwick. Passez la prendre et ramenez-la-moi ici, OK? Vous allez prendre contact en secret d'abord? Hein? C'est presque ça, oui. Non, c'est pas vrai. Avec tout ce que je viens de lui coller. Avec les jambes qu'il faut grimper. Tes bras doivent te servir seulement à t'équilibrer. Le voilà, c'est lui. Dave Haggett, un alpiniste chevronné. Prenez l'escalier de secours, je commence à le cuisiner. Dave, je monte. D'accord. Quand tu voudras. J'arrive.
Ah, tu tiens la super forme. Oh, quel pied. Pas mal. Oui, presque. Tu y es. Encore un poil. Merci. Tu trouves pas que tu frimes beaucoup? Je voulais arriver en haut avant mon pote, le détective privé. Qui ça? C'est moi, Davey. J'ai quelques questions à vous poser au sujet de ça. On l'a trouvé sur le toit du Sprague Building. C'est vous qui l'avez acheté? Oh, mais il voulait me faire expulser. Oh non, c'est pas juste, il avoue tout, c'est trop simple. Allez, à tout à l'heure en bas. Expulser? Pourquoi expulser? Je sais plus ce que je dis, je veux parler à un avocat. Il vaudra beaucoup mieux que tu parles à un chirurgien pour te faire transplanter une cervelle. Elle a pas oublié ta voix, connard. Ils avaient promis pas de tuerie. Sinon, je marchais pas, je leur avais dit. Et de qui tu parles? Davey, les preuves sont accablantes. Tu risques un minimum de 30 ans. Sauf si tu collabores. Oui, pourquoi pas? Moi, je n'ai tué personne. En bas, je vous raconterai tout ce que je sais. Rendez-vous dans la rue. Ce qu'il faut, c'est que j'aille dire au revoir à mes élèves. Garde dessous! Descends! Attention! Non! Je l'ai vu! J'ai eu le temps de le voir, Mike! Allez-vous relever le numéro? Il pleuvait des cadavres et ça n'avait pas l'air de vouloir s'arrêter. Mais ce n'était pas d'un parapluie dont j'avais besoin. C'était des réponses. Non, allez, pas d'histoire. Toi, d'abord, t'as un sacré bloc, hein. Je commence à te connaître. Pas que tu alors, depuis le temps, tu parles. Allez, 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 rends-moi l'argent, voyons, on en parle. Allez, rends-le-moi, quoi. Allez, je vais être obligé de me fâcher et t'en m'emmerder. Salut. Bonsoir. Qu'est-ce que je te sers? Comme d'habitude? Oui. Ok. Bon, tu veux ton pognon? Allez, je le garde, salon. J'ai jamais. Je t'en prie, allez, viens là une seconde. Dis-lui, lequel de nous deux a j'ai entendu votre discussion, monsieur. Mais là, je dois dire. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il ment comme il respire. Mais tu parles. Non, écoute, je le connais, ce gars-là. Je t'assure, Mario. Je vais pouvoir vous entendre. Nous avons parié, c'est moi qui ai gagné. Dis-lui, toi, non. Non, je regrette, Sada Rio a marqué 300 points et il détient record du monde. Désolé, mais c'est lui qui a raison. Eh oui. Vas-y. J'écoute. Tiens, qui détient le record du monde du plus grand nombre de sélections nationales depuis 15 ans? Je ne sais pas. Elroy Face, avec 29 sélections consécutives chez les Pirates de Pittsburgh. Adzi, tu m'étonneras toujours. Et même moi, je m'étonne, alors. J'ai une question. J'écoute. Est-ce qu'une bague de diams volée au Sprague Building, ça te dit quelque chose? Alors là, paraîtrait que le grand type là, le sudiste, il aurait perdu une bague en diams qui aurait été fourguée tu sais où dans Canal Street. Hein? Canal Street. Tu as vraiment réponse à tout, Adzi. Suivant mon flair et le tuyau de mon camarade, je gagnais Canal Street. Certains jours, cette rue sentait tellement mauvais qu'elle méritait bien son nom. Un bavard m'abreuva de tous les renseignements que je n'osais espérer. Si bien qu'il me fallut peu de temps pour trouver ce que j'étais venu chercher. Maintenant que j'avais le porte-bonheur de Tallahassee, j'allais peut-être enfin avoir de la chance et découvrir pourquoi Angela, elle, n'en avait jamais eu et pourquoi Pat en avait tellement besoin. Je rappelais Velda. Elle m'annonça que Frank Dolce, le petit ami d'Angela, s'était évadé. C'était plus lui qui éclairerait ma lanterne. Je demandai à Velda de me dresser la liste des autres types qui s'étaient fait arrêter avec lui quand les flics avaient saisi la drogue sur le port. J'avais ma petite idée pour retrouver Dolce. Mais je ne voulais pas être interrompu.
Et surtout, fais attention aux alligators, il y en a plein les égouts. Les chauffeurs new-yorkais sont dangereux. Il valait mieux qu'ils soient bien sanglés. Lower East Side, le quartier d'Angela, vivait dans un tel climat d'insécurité qu'on se demandait toujours s'il valait mieux sortir avec un parapluie ou avec un flingue. Il n'y avait pas de structure d'accueil pour les jeunes, alors forcément, ils faisaient un petit peu n'importe quoi dans la rue. Toi, tu vas faire une connerie. T'avais dit que t'allais faire une connerie. Autrefois, l'immeuble était bien protégé. Et puis, ils avaient dû tomber en panne de bouffe pour les chiens. Vous êtes détective, vous, hein? Je parie que vous travaillez avec l'inspecteur Chambers sur le meurtre d'Angela. Ça lui serait jamais arrivé si elle avait un chien comme Kiki. Hein, mon pépère? Tu laisserais personne me faire du mal. Ah, ça, non, alors. Il s'est chopé son premier voleur il y a un an et le mec, il a morflé. Ça s'est su dans le quartier. Et maintenant, j'ai une paire royale. L'insécurité connaît pas. Oui, oui, je comprends. Oui, bah dites-le donc à l'inspecteur Chambers, parce que ça lui éviterait de donner son pognon. Un bon chien, moi, je dis toujours, il n'y a que ça de vrai. Qui donnait de l'argent à qui? L'inspecteur. À Angela, il lui a filé 500 dollars. Qu'est-ce que vous en savez? Je sais qu'il lui a donné un chèque signé à son nom. Elle me l'a refilé en paiement du loyer. Tout est beau. C'est pas vrai, Pat, mais à ce train-là, on n'arrivera jamais à rien. Je t'en prie, merde, je suis quand même pas une première communiante. J'en ai marre que tu me caches des trucs. Mike, je ne sais pas si je vais tenir encore longtemps. Eh ben, commence par me dire toute la vérité à moi. Oh, surtout, ne m'en veux pas. Angela n'avait rien, rien. Elle avait son job de guide depuis 3 semaines et son mec s'était fait foutre en tôle. Alors tu t'es mis à payer son loyer. Dépenses de routine, bien sûr, pour un fonctionnaire, c'est ça? Oh, c'est pas ce que tu penses. Et Linda est au courant? Oh non! Pourquoi crois-tu que j'ai pas parlé à l'hôpital? Elle ne comprendra jamais. Est-ce que tu couches avec Angela? Oh, crois-moi, je te dis la vérité. Les 500 dollars, c'était pour l'aider dans une sale passe. C'était pas pour l'acheter, il y avait aucune condition. D'accord, d'accord, bon, là, je te crois. Mais à l'avenir, évite-moi les surprises, s'il te plaît. Bon Dieu, Barrington a ton chèque dans son dossier et il va l'utiliser. J'ai jamais couché avec elle. Oh, c'était pas faute de vouloir, mais ça s'est jamais fait. C'est bon, je te crois pas. Mais un bon conseil, le chèque, parle-en à Linda. Tu n'as qu'à lui dire ce que tu as fait. Ce que tu as pensé, tu te le gardes. Ouais. Quand j'arrivais à l'audience, Barrington avait déjà interrogé Eve. Elle avait raconté la mort de l'alpiniste en espérant rendre service à Pat. Mais Barrington avait construit une telle pyramide de preuves circonstancielles que son témoignage ne servit à rien. Quant à Barrington, il était lancé. En dehors de faire des discours, la chose au monde qu'il préférait, c'était de s'entendre les prononcer. Durant les 15 années où vous l'avez connu, avez-vous vu ou entendu l'inspecteur Chambers faire ou dire quelque chose qu'on puisse considérer contraire à la loi? Non, jamais. Et cela depuis 18 ans. Pat Chambers et moi, on était ensemble au Vietnam. Il a d'ailleurs reçu la médaille militaire là-bas. J'ai terminé, merci. Vous êtes très convaincant, monsieur Hammer. Avez-vous donc oublié que l'inspecteur Chambers s'est vu offrir un pot de vin par un certain Patrick Donna, le 31 août 1975, un membre influent de la Pègre? Ah, oui, je me souviens. Je me souviens que Pat Chambers avait barbouillé le visage de ce monsieur avec un plat de nouilles Romanoff. Eh bien, l'inspecteur a reçu d'autres propositions, dont une d'ailleurs de la part de Tallahassee Smith, peu de temps après. Et 6 mois plus tard, il demandait à prendre sa retraite anticipée. Le saviez-vous? Oui, je le savais. Pat Chambers se trouvait en pleine période d'écœurement institutionnel. Pouvez-vous vous expliquer? Avec plaisir. Plus on devient efficace dans le travail de police, et plus on coince de criminels.
Au bout de 10 ans environ, on se met à réaliser que des centaines de mecs qu'on a fait boucler se baladent en toute liberté dans la société à cause d'un détail juridique, que ce soit l'irrecevabilité des preuves contre eux ou l'irresponsabilité temporaire. On voit certains crimes qui sont pourtant extrêmement graves et qui seraient passibles parfois de la peine de mort, dont les sentences sont réduites à 6 semaines pour bonne conduite. Et on commence à se demander si ce n'est pas la justice américaine qui est malade. Nous parlions de l'inspecteur Chambers, monsieur Hammer. Passez-nous donc la propagande. Je me souviens qu'un jour, Pat Chambers m'a demandé pourquoi nous risquions notre vie. Si les juges s'en foutent et si tout le monde s'en fout, pourquoi alors se faire tirer dessus? Ceci est-il une citation, monsieur Hammer? Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Continuez, monsieur Barrington. En tout cas, l'inspecteur Chambers n'a pas pris sa retraite. Pourquoi? Craignait-il de voir ses revenus diminuer? Non. Il disait qu'il fallait le faire, ce boulot, malgré tout. Parce qu'il était nécessaire. Vous voyez où ça l'a mené? J'ai terminé. J'ai une question à vous poser, moi. Vous n'êtes qu'un procédurier. Vous attaquez Pat Chambers, le meilleur flic de votre police. Est-ce que c'est la publicité qui vous motive? Silence ou je vous poursuis pour outrage à un magistrat. Monsieur le juge, je plaide l'irresponsabilité. Le pauvre Pat était décidément mal parti, et il n'était pas encore au bout de ses surprises. Après en avoir délibéré, la cour a décidé que les preuves suffisantes sont réunies pour ce qui concerne la possession de cocaïne. L'accusé sera donc jugé lors de la session prochaine de la Cour suprême. Le montant de la caution reste inchangé. Le procès aura lieu le 3 octobre. Ah oui, pardon. Je vois qu'il y a eu une modification sur ce papier. Votre procès aura lieu un mois plus tôt, en septembre, le 2 septembre. Objection, c'est dans 3 semaines. Objection rejetée. Trois semaines et rien pour le disculper. Pat s'apprêtait à passer un long séjour derrière les barreaux. Il fallait agir. Il fallait le tirer de là. Mais comment ? Alors, ils le font venir pour le juger dans 3 semaines, hein. C'est incroyable. Ce Barrington s'est juré de le coller en prison. Mike, j'ai téléphoné aux galeries Bedrick Bordante. Est-ce que t'as pensé aux photos de Frank Dolce et de ses camarades de cellule? Mais non, j'ai absolument pas pu me faire communiquer les dossiers. Bon, j'essaierai auprès de la police. Et pour les montures de lunettes, est-ce que t'as du nouveau? On en a fabriqué 75 de ce modèle-là. J'ai la liste de tous les opticiens qui les ont vendus. Bon, au travail, il nous faut Bordante. Bordante doit passer dans une des galeries que j'ai appelées ce matin. Non, mais c'est seulement maintenant que tu me dis ça. Non, j'ai commencé à te le dire et tu m'as coupé. Bon, où est cette galerie? Sur Park Avenue. Allez, je t'en... Velda, sans toi, je ne serai rien. Voilà, nous y sommes. Il y a un parking derrière. Ok. Ah, ah non, 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 couchez. Allez, allez, laissez-moi. Allez, assis. Allez, couchez. Couchez, les chiens. Ah non, allez, laissez-moi. Allez. Oh, mon Dieu. Couchez. Assis, les chiens. Merci, monsieur. Voilà, mademoiselle. Ils ne sont pourtant pas méchants. J'aimerais trouver une façon de vous remercier. Je suis sûr que si on s'y mettait tous les deux, on trouverait quelque chose. Oh, ça, j'aimerais bien qu'on s'y mette tous les deux. C'est quoi votre nom? Mike. Moi, c'est Bonnie. Bonnie, hein? J'en prends note. Angela était morte. Pat allait être jugé dans 3 semaines. Il fallait que je mette la main sur Bordante. Seulement, je ne savais pas à quoi il ressemblait. Et dans ce milieu-là, un escroc peut en cacher un autre. Monsieur Bordante, demandez au téléphone, monsieur Bordante.
vient juste de partir par là. Mais génial, Velda, je le dirai jamais assez. Arrête de fumer, alors. Bah, je fais pas. C'est Eve qui est avec lui? Ouais. Elle travaille avec ceux qui ont tué Sprague? Non, elle travaille pour quelqu'un d'autre. Mais je ne sais pas pour qui, par contre. Sandy, c'est pas vrai. Oh, j'avais peur que vous soyez déjà endormi. Je suis venue vous préparer un repas de montagnard californien. Ah oui? Et vous entrez toujours comme ça chez les gens? Ah oui, je suis rentrée par la fenêtre parce que j'ai vu une voiture garée en face. Ah bon? Est-ce que c'est moi qu'on suit? Ou est-ce que c'est vous qu'on surveille? J'ai bien l'impression que c'est les deux. J'ai apporté mon duvet, au cas où votre lit serait trop petit. Hein? Non, mais qu'est-ce que vous dites, là? Alors, il y a des pommes de terre déshydratées, des pêches déshydratées, et ma nourriture préférée, des huîtres. Déshydratées? Non. Oh, ça charge un peu le sac, mais les huîtres, ça vaut le coup, quand on campe avec un monsieur. Ah, bon? Vous avez du lait? Oui, dans le frigo. Oh, Berk, la moitié de la bouffe est moisie. Et l'autre moitié est couverte d'asticots. Ben oui, je suis pas souvent à la maison. Non, aucune importance. Asseyez-vous, attendez, préparez-vous au choc gastronomique oui, de la vie. Oui, non, mais attendez une petite minute, là. Vous voulez bien? J'ai des photos à vous montrer, alors soyez gentils, asseyez-vous. Et regardez bien ces cinq pèlerins, là. Ils se sont tous fait ramasser sur le port en prenant livraison d'une cargaison de cocaïne. Uh-huh. Est-ce que vous les reconnaissez? Ah oui, celui-là. Ça, c'est Gart. C'est lui qui est passé récupérer la commande de Davey, non? Non. Non? Non. Quoi, il y en avait un troisième? Mm-hmm. Ouais. Comment il est? Est-ce qu'il est là-dedans? Non, il n'y a que l'horrible là que je reconnaisse. Bon, très bien. Est-ce que vous vous en souvenez suffisamment clairement pour composer son portrait robot? Ah, ça oui. Bien. Les huîtres, c'est excellent pour la mémoire. Sans blague. Je vous ai menti. Je n'ai pas vraiment apporté mon sac de couchage. Ah non? Non. Bonsoir. Ah, bonsoir. Je venais vous inviter à dîner. Trop tard. On allait attaquer les hors-d'œuvre des huîtres. Bon, je repasserai. Je ne veux surtout pas vous déranger. Non, 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 partez pas, j'ai des questions à vous poser. Entrez, entrez. Eve, voici Sandy. Sandy, je vous présente Eve. Non, mais c'est vrai, vous vous connaissez. Vous auriez des verres? Je déteste le champagne dans les tasses de camping. Bah, une goutte de champ ne gâche rien. De toute façon, on se préparait à passer des instants agréables. Les questions attendront. Je crois qu'il faut que je vous laisse. Non, 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 c'est urgent, c'est important. Et d'ailleurs, ici, c'est pas l'endroit pour vous les poser. C'est... Alors, on va... Bon, écoutez, Sandy, allez-y, mangez les huîtres sans moi et allez vous coucher dans ma chambre. Hein. J'ai du travail pour vous demain matin, alors il faut s'occuper de ce portrait robot, n'est-ce pas? J'ai ma clé, alors vous n'avez qu'à tirer la porte, hein? Dormez bien. Vous me laissez toute seule? C'est vrai, vous vouliez m'interroger, je crois. J'avoue que je ne sais pas trop de quel côté du filet vous vous trouvez, Eve. Mais je suis certain que vous êtes mêlée à tout ça. C'est qu'il est astucieux.
J'ai eu des doutes dès la fusillade en pleine rue. Des tueurs professionnels manquent rarement une cible aussi facile. Ensuite, il y a eu le coup de fil que Bordante a reçu à la galerie. Or, vous étiez la seule à savoir que je devais venir. Et où vous conduisent ces déductions? Je sais que vous êtes un flic. De quel service, ça, je l'ignore. Le ministère de la Justice. Brigade anti-raquette. Mais quel est le lien entre la justice et Bordante? Je ne peux pas vous le dire. C'est gentil, ça. Écoutez, Mike, ce qu'il fait est important. Important? Vous voulez dire qu'il a le droit de jouer au poker avec de l'argent louche, de faire du trafic de drogue et de regarder les gens se faire tuer? C'est le prix qu'on paie parfois pour monter un coup. Ah, je vois. Et c'est ça que vous êtes en train de faire. Monter un coup. Je veux seulement vous aider. Sans pour autant mettre Bordante en danger. Il n'avait rien à voir avec le vol. Je le sais. Comme j'aimerais vous croire, Eve. Je vous demande de me croire, Mike. Il le faut, c'est important. Pas trop regretter ta petite alpiniste. Rien ne vaut le charme des agents secrets. Tu n'es pas comme les autres, Mike. Toi non plus, Eve, tu n'es pas comme les autres. Oh. Écoute, je voudrais te demander un petit service. N'importe quoi. Voilà, quand Sandy ira composer le portrait robot du gars qu'elle a vu, j'aimerais que tu l'accompagnes. Je croyais qu'elle avait reconnu le mec à la voiture grise. Oui, c'est exact, mais il y en avait un autre. Celui qui est venu récupérer et payer le matériel. Celui-là est peut-être l'employeur. Tu es d'accord? D'accord. Au fond, t'es une fille facile. Hein? Bah alors, Mike. Mike, t'avais fait le poker mardi soir. Oui, oui, je sais, mais j'avais un rendez-vous important. Oh, je vois. Qu'est-ce que tu prends? Je ne sais pas encore. Madame Désir? Moi, ce qui me ferait plaisir, ce serait un voyage à Hawaï avec toi. Ah bon? Fais-nous deux voyages à Hawaï, Marty. Ça roule. Ça doit être fameux, ça. Combien de temps cela va-t-il durer? Jusqu'au prochain meurtre? Non, ça durera aussi longtemps qu'on le voudra. Tant qu'on saura se fabriquer de beaux souvenirs. Dois-je lâcher mon travail pour des souvenirs? Pour des rêves. Comme cette nuit? Oui, comme cette nuit. Tu as décidément réponse à tout. Hé, hey Mike, question. Odzi. Manimota, a-t-il marqué plus ou moins de buts que Rusistov? Mes hommages, mademoiselle. Oui, je crois que oui. T'as encore gagné, Hammer. Mais tu sais bien que je suis le meilleur. Eve te présente Ozzy. Il dort avec le livre des records du monde. Pas seulement avec lui. Attention à ce que tu vas dire, toi. D'accord, d'accord. Je vous laisse, chère madame. Mes hommages. Dites donc, Hammer. Excusez-moi. Venez là une seconde, s'il vous plaît.
Talahassé a appris qu'on avait retrouvé la trace de sa bagouze. Vous savez, ces diables portent bonheur. Il n'ose pas aller la rechercher. Je suis assez emmerdé parce qu'il m'a demandé de m'en occuper. Alors si vous pouviez me... Malcolm, j'ai la bague. Oh, vous l'avez trouvée? C'est ça. Ah, alléluia! Ah, ça y est. Je suis sauvé, ça y est. Ça, c'est vous qui le dites. Pourquoi? Ah, et moi, alors, qu'est-ce que je fais en attendant? Tu transpires. Je savais que Malcolm dirait à Talahassé que j'avais sa bague. Il était temps d'aller le faire parler, le monsieur Muscle. Décidément, tous ces amateurs de poker étaient plus menteurs les uns que les autres. Sauf Martin Sprague, bien entendu, qui ne cachait plus son jeu, et pour cause. J'ai eu l'étrange impression que personne ne me filait le train. Qui c'est? Le plombier. Repassez demain, Hammer. Ce serait dommage, j'ai quelque chose pour vous. Glissez-le sous la porte. Dans le genre reconnaissant, on fait pas mieux. Vous avez des manières détestables. J'en prends bonne note. Tu croyais tenir plusieurs rounds, hein? Je tiendrai le temps qu'il faudra, va. J'ai pas de temps à paumer, moi. Moi, j'en ai encore à perdre. Allez, viens, viens!
D'après le légiste, la mort est intervenue entre 10 et 12 heures avant que vous ne la trouviez. Ce qui veut dire qu'elle est morte hier vers midi. Il y a une raison à sa mort et cette raison, ce n'est pas Pat Chambers. Alors, quelle est la raison? Je n'en suis pas certain, mais Mademoiselle Warwick a demandé au ministère de la Justice de nous donner une copie du portrait robot qu'elle a composé. Nous apprendrons sûrement quelque chose quand nous l'aurons. Et si vous aviez foutu la paix à Chambers, vous sauriez déjà qui sont les tueurs de Sandy. Mais vous croyez que ça m'amuse de persécuter Chambers? Il a été un bon flic pendant des années, mais si vous ne m'entendez pas, suivez mes lèvres. Je n'ai aucun besoin de conseils sur la façon dont je dois agir. C'est ça, bien sûr. Vous êtes le roi. Vous n'avez besoin de personne tant que vous avez la balle au pied. Mais si jamais vous voulez faire une passe, vous allez voir comme c'est dur quand on n'a pas de partenaire. Attendez, Mike. Écoutez, je suis lié par le secret de l'instruction, mais je suis prêt à donner un coup de main. Tiens, la brigade des stupes devient compréhensive maintenant. Non, pas la brigade, moi. Le mois prochain, je prends ma retraite après 20 ans de service. Je comprends ce que Pat ressent. C'est vrai. Mais vous me dites que vous comprenez Pat. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui? Garth était un des trafiquants que nous avons pu arrêter. Il y avait aussi de la drogue le soir du poker. Ça m'autorise à détacher deux de mes inspecteurs pour le rechercher. C'est toujours un début. Et les rapports sur ce bateau, est-ce que je pourrais les regarder? Si on pouvait tous les mettre dans le même sac. Oui, ça risque de ne pas être très facile. Les rapports sont confidentiels, mais je ferai ce que je pourrai. Le trafic de cocaïne représente des centaines de millions. Une centaine par-ci, une centaine par-là, c'est que ça finit par faire une somme. Y a-t-il autre chose? Ouais. Foutez une muselière à Barrington. Je n'arrivais pas à chasser de ma mémoire le souvenir de Sandy pendu chez moi. Je me sentais responsable de sa mort. Elle nous avait bien aidés, Sandy. Elle avait laissé un exemplaire du portrait robot dans le bureau d'Eve. Et je savais que Pat, grâce à cela, ne tarderait pas à être disculpé. Oh non! Ah, t'en as pas un autre? Non, j'en avais fait faire un seul double. Cette fois, ça suffit. Je veux voir Bordante. Je t'ai déjà dit, il ne sait rien qui puisse nous servir. J'en suis sûr, il est placé constamment sous surveillance. Sous surveillance, c'est ça, mais ça ne l'empêche pas de jouer au poker avec des malfrats. Et on sait ce qu'il fait, crois-moi. Oh, ça, mais lui aussi, c'est ce qu'il fait. Il s'en fout plein les poches en toute impunité. Et tu connais un meilleur moyen d'atteindre les chefs? De remonter au sommet d'une organisation? Écoute, Eve, je dois absolument rencontrer Bordante. Il est le seul témoin qui me reste. Fais-le-moi rencontrer. Tu me demandes de faire un choix déchirant entre toi et mon travail. Tant pis, je regrette, mais je crois que je n'ai pas le choix. Moi non plus. J'ai l'impression que tu es un peu nerveux. Ouais, je pense toujours à Barrington quand je commence à jouer. Mike, on devrait être dans la rue, à traquer Bordante. Non, mais t'es complètement dingue. Tu dois pas t'occuper de cette affaire, Pat, et tu le sais très bien. Allez, joue, c'est à toi. C'est bien pour un flic. Désolée de vous interrompre, mais j'ai une surprise. Ah oui? D'abord, on pourrait discuter de mon augmentation. Ça doit être une grosse surprise. Un bond en avant, ni plus ni moins. Bon, on verra pour l'augmentation quand on aura entendu cette nouvelle. Alors, vas-y. Ok. Les lunettes de Bordante, celles que tu as trouvées à la galerie. Oui. L'ordonnance a été faite il y a 2 ans, mais pas au nom de Bedrick Bordante. Cette monture a été faite pour un certain Arturo Velasquez. C'est pas vrai. Ils l'ont foutu en prison il y a 2 ans pour escroquerie à l'assurance. Et il ressemble pas à Bordante. Tu en es sûr? Si les fédéraux lui ont donné une nouvelle identité, ils ont très bien pu lui refaire le portrait. Regardez, il y a un air de famille, non? Ah oui. Elle a peut-être raison. Mais d'après mes renseignements, Velasquez est aux Bahamas. Qu'est-ce qu'il foutait à Manhattan? Attends, bouge pas. Pat, réponds-moi. Qui était son contact à Velasquez il y a 2 ans? Bah, ça n'a jamais été prouvé, mais on le connaissait. C'est une des plus belles prises du FBI. C'est exactement ça. Walter Donnelly. Ouverture du procès de Donnelly. La seule chose qui nous rapprochait, Donnelly et moi, c'est qu'on était tous les deux dans la merde. Velasquez, alias Bordante, lui, il allait très bien, merci. Au grand jury qui jugeait Donnelly, il fournissait sans se démonter des réponses, vraies ou fausses. Des réponses, bonté divine, il était temps que j'en ai quelques-unes.
Mais 5 gaziers d'un seul coup, c'était vraiment au-dessus de mes forces. Je connaissais quelqu'un à qui ça ne ferait pas peur. Donnie Lee oserait en pleine audience. Mais ce n'est pas Donnie Lee. Cette fois-ci, mon coco, c'est entre toi et moi. Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qu'il y a... Qui a balancé la partie de poker? Bah, vous êtes malade, moi. Qu'est-ce que vous me voulez? Moi, je suis un citoyen respectable. Je réponds, je te casse le bras. Oh, oh, vous pouvez tourner tant que vous voulez. Sale pute. Escroc. Vas-y, casse-le-moi, je te dirai rien. Quand tout sera terminé, t'inquiète pas, on s'occupera de toi. Sans blague. Mais lâche-moi, espèce de... Enfin, faites quelque chose, merde. Hammer, lâchez cet homme, c'est un témoin fédéral. Oui, c'est même un escroc fédéral. Oh. Arturo Velasquez, il travaille toujours pour la pègre, mais il vous aide aussi à faire tomber Donnelly. C'est toi qui as balancé la partie de cartes, hein? Non, c'est toi. Non, mon Dieu, je t'ai dit que non. Hammer, nous discutons, messieurs. C'est pas moi qui ai vendu la mèche, je le jure. Alors c'est à la... C'est... Non, la coke est à lui. Alors dis-moi, qui vous a donné... Non, mais arrête, ça va, adresse-toi à Malcolm Dobbs. Il m'a fait chier pour jouer à cette table. Il m'a pas lâché tant que je m'ai pas eu l'invite. Mais cache-lui le bras à lui. Excellente idée. Voilà, j'ai fini, je vous le rends. Je vous arrête, Hammer. Intimidation de témoins, outrage à agents, kidnapping, obstruction à la justice. J'ai fini, j'ai mon renseignement. Vous allez le payer le prix fort. Non, vous savez qui paye le plus cher, c'est les pauvres cons dont le fric sert à faire vivre des ringards comme ça dans la soie pendant que vous faites votre sale cuisine. Je vais vous dire ce qu'on va faire. Je vais m'en aller. Ou alors, demain matin, tout le monde saura ce que vous laissez faire à certains témoins fédéraux sous couvert de leur prétendue immunité. Alors tu te décides? Dégagez. So long again. How many times will I keep on believing this never will end? So you say so long. Good luck and goodbye again. So long. Get out of my life again. Please help me, Jesus. I'm losing my mind. When you say so. Malcolm est en scène. Mais on pourrait se mettre au chaud pour l'atteindre. Est-ce que tu as la clé de sa loge, mon petit? Elle est toujours ouverte, sauf bien sûr s'il y a quelqu'un dedans. Je suis contorsionniste. Tu fais des contorsions? Oui, tous les vendredis. Chouette, c'est vendredi. Allez, viens. Start a new life with a knife, little girl, with a heart of her own. Don't you say so. Chacun son truc. Moi, je préfère les défenses naturelles. Time after time. Please help me, Jesus. I'm losing my mind. When you said so long, so long again. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est encore moi, Malcolm. Je vous avais reconnu. Ah, Malcolm, tu me déçois.
Et puis ce soir, tu sais, il n'y aura pas de rappel, parce que je suis venu te corriger, Malcolm. Tu étais drôlement foutu de moi, hein? Tu étais au courant pour la partie de poker le soir où tu es venu à mon bureau. Tu me demandais de te protéger, mais tu aurais dû me dire que tu voulais un alibi, Malcolm. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tiens, tiens, quelqu'un voulait savoir où était Bordante. C'est le même mec qui vous a braqué, pas vrai? Vous comprenez donc pas que je dois me taire? Je veux son nom, Malcolm. Vous assurerez ma protection. Qu'est-ce qui va m'arriver à moi? Je veux son nom. D'accord, vous l'aurez. Laissez-moi les saluer, Mike. Bonsoir, Eve. Bonsoir. J'ai essayé de faire ce que je pouvais. Ce n'est pas beaucoup. Mais c'est tout ce que j'avais. Les rapports fédéraux sur Frank Dolce que tu voulais lire. Mais pourquoi? Pourquoi ce soir? Il faut parfois une tempête pour que le temps se lève. Tu es très dangereux pour moi. Et pour ma carrière. Eve, attends. J'ai besoin que tu m'aides à les lire. Tu devrais le savoir, je suis un gars tout simple. J'ai besoin de toi, Mike. Tu crois qu'un agent secret a besoin d'un pauvre type comme moi? De toute façon, je ne serai plus agent secret bien longtemps. On va me renvoyer pour avoir pris ces rapports. Tu sais que mon précédent record de vie commune avec une femme est d'une heure et demie. D'accord, comme tu voudras. Dis-moi, Garth a bien été libéré de prison un mois avant la sortie de Frank Dolce, l'ami d'Angela. Oui. Oh, regarde. C'est le fameux bateau. Oh, on pourrait se faire une super croisière là-dessus, toi et moi. C'est une affaire, tu crois? Oui, oui. La direction des douanes procédera demain à la vente aux enchères sur le port. Fais voir ça.
Non, je disais ça en rigolant. Non, je me rappelle que Pat a dit qu'une partie de la drogue avait disparu. Elle est peut-être planquée à bord de ce bateau. Tu crois? Où est l'autre rapport? Mesdames et messieurs, cette description étant terminée, nous allons procéder à la vente. La valeur de ce bateau a été estimée à 60 000 $. La loi fédérale nous oblige à fixer là la première enchère. Y a-t-il un amateur? 65 000. J'ai preneur à 65 000. Y a-t-il un acheteur à 70? Ici. 70 000 $. Un amateur à 75 000. 75 000. Pour madame, très bien. 75 000 à ma gauche. Y a-t-il un acheteur à 80 000? Oui, nous voilà, 80 000. Un amateur à 85 000. 90. 90 000 $, mesdames et messieurs. Une fois, deux fois. 95 000. 95 000 $. Oui, monsieur. 95 000. Une fois. 100 000. 100 000 pour monsieur. Une fois, deux fois, trois fois. Génial pour ma retraite, hein, Tom? Oui, mais il me semble que vous le payez un peu cher. Vous ne savez pas que vous aimiez la mer? Bon, c'est plutôt un investissement. À un tel prix? À quoi jouez-vous? Vous avez bien dit 100 000 $, monsieur. Je serais allé jusqu'à 1 000 000. Ça les vaut bien, hein, Tom? Vos hommes n'ont pas trouvé la planque de Tallahassee? Garde dans sa prison a entendu parler de la partie de poker. Il a voulu négocier avec vous. Il s'en est même vanté. Il en a parlé à Frank Dolce qui s'en est servi, mais ça n'a rien donné. Je ne me trompe pas trop, ça va, Tom? Je crois que vous êtes dingue, Amal. Ah oui? Mais ce que vous n'aviez pas prévu, c'est qu'Angela parlerait à Pat avant que vous lui tiriez dans le dos. Vous preniez votre retraite. C'est vrai qu'un million, c'est plus plaisant que d'aller moisir en tôle. Vous avez fait chanter Malcolm Duff pour possession de coke afin de connaître l'adresse du Sprague Building. Et ensuite, vous avez imaginé une façon ingénieuse de planquer votre fric avant de vous expatrier. Ah. Et nous voilà aujourd'hui. Mike, attention! N'approchez pas, Hammer. Restez où vous êtes. Lâchez-la, Phillips. Il y a trop longtemps que j'attends. J'ai vu trop de fumier devenir riche. Le pognon, il n'y a que ça qui compte. Et personne ne va en tôle. Personne n'est condamné. Phillips, lâchez-la tout de suite. Maintenant, c'est moi qui décide. Ah, il m'en prend arrêté. Ah, lâchez-moi. Vous me faites mal. Vous n'avez aucune chance. Au moindre geste, au moindre cri, je vous abats sans pitié. Attention, écartez-vous! Écartez-vous! Et poussez-vous! Mike, attention!
Sortez tous d'ici, vite! Salut, Velda. Salut, Pat. Hé, hey, dis donc. Tu marches très bien, toi. T'as pas trop mal? T'en fais pas pour moi. Faut assumer. Et ton mal à toi? Je vis avec. Tu dînes à la maison vendredi, pas de discussion. À vos ordres. Non, je m'étais pas trompé. Eve et moi, c'était ça. Est-ce par magie ou je ne sais quoi qu'on se sent attiré vers quelqu'un? Elle et moi, on pouvait y arriver. Et même encore mieux que ça. Mais l'espoir venait d'éclater comme une bulle. J'avais vraiment plus du tout le moral. J'étais tout seul. Tu veux quelque chose, Mike? Hein? Non, non, j'ai ce qu'il me faut. Merci, Velda. Tu sais que je suis là, moi. Oui, et un peu là. Heureusement qu'il y avait Velda. Heureusement qu'il y avait New York. Il était temps de se remettre au boulot. Et vite.